Ok YouTube, un nouveau tour de cartes que j'affectionne particulièrement, c'est le triomphe de Danida Ortiz, un de mes tours de cartes préférés. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un triomphe. Le but est simple, on va prendre une moitié du jeu et la mélanger avec l'autre, face en l'air, face en bas. Alors vous allez me dire pourquoi on fait ça, c'est tout simplement pour rendre le tour plus difficile. Ok, juste ça. Ça me compliquait la tâche. Voilà. Et on imbrique le tout. Très bien. Alors maintenant, une carte va être choisie dans le jeu. Ça peut être une carte du dessus, du dessous. Je vais les passer une à une et le spectateur me dit stop quand il le désire. Alors qu'elle soit face en l'air ou face en bas, vraiment, peu importe. Hein. Donc supposons qu'il me dit stop sur cette carte. Hein. Il aurait pu en choisir une autre, vraiment, peu importe. Il tombe sur le 2 de pique. Ok, 2 de pique qui peut être signé. Et qui est perdu dans le milieu du jeu. Alors je récapitule, un jeu a été pris, mélangé dans tous les sens, une carte a été choisie dans le jeu et a été replacée. Hein. On va essayer de la retrouver. Alors, regardez bien. En un simple claquement de doigts comme ceci, toutes les cartes peuvent se retourner. Toutes. Sauf une carte. Une seule. Le 2 de pique. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est pas un tour qui est de moi. Si vous voulez voir mes tours et ceux de mes amis, rendez-vous sur mon site French Touch. Et une petite parenthèse pour faire de la pub des amis aussi qui ont leur petite entreprise comme la nôtre. Ce jeu a été acheté sur 13 de pique. Il y a des promotions dessus. Je vous mets tout dans la description de toute façon. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein. Vraiment, c'est moi en tout cas, ce tour me plaît énormément et ça fait très longtemps que je le travaille et je décide enfin de vous le montrer. Sur ce, à bientôt.